voilà, bâtonnets de poisson, tout spécialement en l'honneur de Pouf. Ta maman devrait aller à des conférences plus souvent. Tu crois qu'il y aura des restes pour nous? Miam. C'est trop cool que tu dormes ici cette nuit. On va pouvoir se raconter plein d'histoires qui font peur. J'adore. En plus, c'est la pleine lune ce soir. C'est le meilleur moment pour se raconter des histoires de fantômes. T'es sûr? Filet de poisson, un peu de chapelure, du persil, du thym, un zeste de citron. Délicieux. La conférence de ta maman, c'est sur quoi déjà? C'est sur la biodynamie. Ça doit être très intéressant, hein. C'est un truc qui fait peur, ça aussi? Vous savez ce que c'est, vous? Eh bien, oui, bien sûr, mais... C'est difficile à expliquer. Ma maman m'a expliqué. C'est une science qui étudie les rythmes de la nature. Par exemple, les nuits de pleine lune, notre système digestif est plus efficace et les plantes poussent plus vite. C'est vrai? Oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais oui, bien sûr. La biodynamite? N'importe quoi. Des bâtonnets. Ça, c'est très intéressant. Écoutez, manger moins en période de pleine lune aurait des bienfaits incroyables sur le corps humain. Pas de bâtonnets de poisson. Ce soir, c'est salade verte. C'est pas tous les jours la pleine lune. Nous allons tous manger léger ce soir. Je crois qu'on n'aura pas de reste. Connaissez-vous l'histoire du fantôme de la lune? Il est blanc, avec 4 longs bras. Toutes les nuits, il emmène des terriens sur la lune et les oblige à travailler pour l'allumer. C'est pour ça qu'elle brille. Arrête, Bill. C'est malin. Maintenant, je vais faire des cauchemars. Moi, en tout cas, j'ai pas eu peur du tout. Moi. Bon, d'accord, j'ai eu un tout petit peu peur. Je vais me coucher. Bonne nuit. Oui, à demain. Mais arrête. C'est même pas drôle. Tu crois qu'il va venir, le fantôme? Mais non, Caro, Boule faisait juste une blague. Les fantômes, ça n'existe pas. Et encore moins ceux qui viennent de la lune. La lune, c'est qu'une croquette géante qui flotte dans le ciel, tout le monde le sait. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je suis bête? Si tu continues de me regarder comme ça, je vais te croquer. Les fantômes n'existent pas, mais il y a quand même des bruits bizarres là. Caro? Bonjour Bill, t'as bien dormi? J'ai entendu du bruit là-haut. Tu crois que c'est le fantôme? Oh, mais non! Et dis, je me demandais, si la lune c'est une croquette géante, pourquoi est-ce qu'un chien de l'espace ne l'a pas déjà mangée? Je vais t'attendre sur cette marche. Elle a l'air super confortable. Broussarde! Même pas vrai! Y a personne. Attends-moi, j'arrive. La marche
retourne te coucher, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Ok, j'ai compris. Je t'ouvre la porte du jardin. Mais tu devrais y penser avant d'aller te coucher, Bill. On aurait dû se douter que c'était lui et boire autant avant d'aller se coucher, c'est pas une bonne idée. Bah oui, et puis les fantômes, ça fait pas pipi. Boule, s'il te plaît, il est l'heure de dormir. Oui. Allez, on y va. Bill, c'est toi? Bah non, nous, on est là. Ah, mais si vous êtes là, qui est-ce qui fait ce bruit? C'est Pouf. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, Pouf est somnambule. Il essaye de sucer son pouce. Allez, vous deux, retournez au lit. Bon, d'accord, j'ai compris. Mais d'abord, je vais remettre Pouf dans son lit. Je les veux, ces bâtonnets de poisson. Je les veux. C'était quoi ça? On dirait la fenêtre du salon. Cette fois, c'est sûr, c'est le fantôme. Roussard. Non, même pas vrai. À moi les bâtonnets. Y'a personne en bas. Viens. C'était juste un coup de vent en fait. Oui, ça doit être le vent. D'ailleurs, j'ai un peu froid. C'est normal, la porte-fenêtre est... Oh, entrouverte. Caro, attends. Regarde. Il y a quelqu'un dehors. Cette fois, c'est sûr, c'est le fantôme. Il a ouvert la porte-fenêtre exprès pour qu'on passe par là. Pour mieux pouvoir nous attraper. Oh là là, c'est vraiment un malin, ce fantôme. Heureusement, Boule est encore plus malin. Là, il n'y a plus de doute à avoir, c'est le fantôme. Mais je croyais que ça n'existait pas, les fantômes. Moi aussi, jusqu'à maintenant. Maman? Ensuite, faire deux tours à cloche-pied autour de chaque plante en veillant à toujours rester dos à la lune. Mais à quoi elle joue? Heureusement que personne ne me voit faire ça. Oh! Et qui est là? On a entendu du bruit. Et vous m'avez... vous m'avez vu? Oh, je voulais juste vérifier si ça marchait ou pas, ces histoires de biodynamie. Et alors, ça marche? Ça, on le saura plus tard. La pleine lune, ça rend les humains complètement zinzin. Tu peux parler, toi. Nous aussi, ça nous a rendu ouf. Oh, alors chat. Oh, allez, au dodo. Oh. Oh non, c'est pas possible. Cette fois, c'est sûr, c'est le fantôme. Oh, Bill, dis-moi. Papa? C'est pas le fantôme. Est-ce que tout va bien, mon chéri? Oui, oui, je voulais juste vérifier que le frigo était bien fermé. Tu as un bâtonnet de poisson sur l'oreille. Et du coup, je croyais que quelqu'un rôdait dans le couloir. Mais en fait, c'était Pouf. Vous vous rendez compte? Il est somnambule. On voit rien là-dedans. Oh. Je les aurais vraiment mérités, ces bâtonnets de... Oh, regarde! C'est trop drôle. Cette fois, c'est sûr, c'est le fantôme. Je crois que ça vient du grenier. Va voir, papa. Oui, très bien, je vais aller voir. Ah, bah c'est Caporal le fantôme.
Vous pouvez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? J'essaie de dormir, moi. Oh là là, la pleine lune, ça a vraiment un drôle d'effet sur tout le monde. Bon, allez, il est vraiment tard. Tout le monde au lit. Oui, oui, oui. Moi, les bâtonnets de poisson. Y a quelqu'un? Au secours! Je suis coincé! Un dribble magistral sous les applaudissements de la foule en délire. Tu peux toujours essayer de me déconcentrer, mais ce ballon ne passera jamais, Bill. Hey, c'est de la triche. Double corner, triple faute. Aïe. Tu trouves ça drôle, caporal? Désolée, madame Stick. On ne voulait pas vous viser. On fera plus attention, promis. Ceci est une propriété privée. Mais, et mon ballon, alors? Ah, ben ça, mon petit, il fallait y penser avant d'essayer de m'assommer avec. Allez, hop! Allez, viens, Bill. On rentre. Un cocker digne de ce nom ne repart jamais sans sa baballe. Mais qu'est-ce que je viens de vous dire? Bill! Madame Stick! Double faute! Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre sale cabot qui m'a fait trébucher. Voilà ce qui s'est passé. Papa, maman, Bill n'a rien fait de mal, il voulait récupérer mon ballon que Madame Stick m'a confisqué. Aïe, je crois que je me suis tordu la cheville en tombant. Comédie, Bill, arrête un peu. Allez, agrippez-vous à moi, Madame Stick. Waouh, et l'Oscar de la pire comédienne revient à Madame Stick. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non. Bon, et vous connaissez quelqu'un pour vous aider le temps que votre cheville aille mieux? Oui, je pensais à ces deux énergumènes. Ça les occupera au lieu de faire des bêtises. Mais c'est pas juste! Ça suffit. Boule, Bill, vous allez veiller sur Madame Stick tous les deux. Mais maman! Je compte sur vous pour faire tout ce qu'elle vous demandera, c'est bien compris? Oui, d'accord, maman. Bon, on a terminé de ramasser toutes les feuilles mortes du jardin. Si vous avez besoin de nous, on sera de l'autre côté. Ma gorge est toute sèche. Vous pourriez m'apporter un petit verre d'eau? Et voilà. Cette eau est un peu tiède. Allez, viens, Bill, on va chercher des glaçons. Et un bol de glaçons, hein? Esclave, quand tu auras fini, tu pourras venir me limer les griffes et me faire un petit massage. Toi, tu perds rien pour attendre. J'ai un petit creux, moi. Oh! Il serait tellement meilleur si tu allais les réchauffer pendant 25 secondes au micro-ondes. D'accord, Madame Stick.
comment elle abuse. Tout ça pour un petit bobo de rien du tout. Minute Boule, ça manque d'une touche personnelle. Excellent et dégoûtant. Dites donc, au lieu de ricaner comme des idiots, si vous alliez plutôt me chercher une couverture sur l'armoire du salon. Allez plus vite que ça, sinon je passe un coup de fil à tes parents. Oui, Madame Stick. Quelle idée d'aller ranger une couverture aussi haut! Ah, voilà, je l'ai trouvé! Oh, merci, Bill, j'ai frôlé l'accident. Waouh! Un passage secret comme dans les films, trop cool! Ah! Arrête de gigoter, tu veux? Je vous tiens! Waouh, c'est trop fort! Si ça se trouve, Madame Stick est un agent secret. Regardez! Il y a même un mini sous-marin! Ça alors? C'est Georges! Alors fais-moi le malin quand on n'a plus de batterie, hein? Coucher le robot! J'ai dit coucher! Alors, tu t'es fait un nouveau copain, Bill? Vous avez vu les copains? Je me demande bien à quoi peut servir ce grand bouton. Non mais j'hallucine, elle fait semblant. C'est quoi cette boîte carrée? On dirait un coffre-fort. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. On va vite le savoir. Raté, c'est fermé. Il doit y avoir un truc ultra top secret dedans. Zut, faut qu'on y retourne avant qu'elle se doute de quelque chose. Regardez, un ascenseur. On y va? Trop bien. Tu parles, il n'y avait même pas de musique. Tu en as mis du temps. Je m'apprêtais à appeler tes parents. C'est que... elle n'était pas super facile à escalader, cette armoire. Ouf, on a eu chaud. Elle s'est endormie. Allons chercher la clé. Caro, c'est comme ça que tu nous aides à chercher la clé? Bah oui, il faut bien quelqu'un pour la chercher au cœur de cette salade, non? J'ai fouillé partout dans la maison, rien du tout. Et toi alors, Bill? T'as trouvé quelque chose? Mais où est-ce qu'elle a bien pu cacher cette clé? C'est bon, on peut y aller. Ha ha ha!
secret de Madame Stick. Oh, ce n'est que toi, mon petit caporal. Tu veux des caresses? La clé! Où est passée la clé? Où sont passés Boule et Bill? Je suis sûre qu'ils préparent encore un sale coup. On a de la compagnie. Vite, cachons-nous! Alors, on veut jouer à cache-cache à ce que je vois. Désolée. Chut, elle va nous entendre. Zut, elle les a repérés. C'est ça le secret de Madame Stick? C'est un disque! Joyeux chaton! Ah! Mais c'est. Madame Stick! Rendez-moi ça! J'étais jeune et naïve! Je n'aurais jamais dû enregistrer cette chanson stupide! Et personne ne doit savoir que c'était moi! Personne! Allez maintenant, du balai! Rentrez chez vous! Et que je ne vous y reprenne plus à traîner dans mon sous-sol! Cette fois, vous l'avez vraiment cherché. Oh non, c'est vraiment pas de chance. Alors, mes joyeux chatons, on joue à quoi maintenant? Joyeux chaton, miaou, miaou, miaou. Joyeux chaton, miaou, miaou, miaou. C'est fou les vieux tubes ringards qu'on peut trouver sur internet maintenant, pas vrai? Le voilà, ton ballon. Merci, Madame Stick. Joyeux chaton, miaou, miaou, miaou. Joyeux chaton. Vous aimez la série télé Max le chien? Ce soir, venez découvrir l'avant-première du film pour la première fois au cinéma. Trop bien! Ce film va être génial! Max est le plus super de tous les chiens! Je suis pas mal non plus, moi, tu sais. Je voulais dire après toi, bien sûr. T'es mon Max à moi, Bill. Ouais, j'aime mieux ça. Moi aussi, je peux être un agent secret. Yeah yeah. Allez, viens! On va jouer à Max! Oh, ces aboiements vont me rendre folle. Caroline, tu veux jouer avec nous? Tu serais la princesse Caro qui a été capturée par des méchants et que Max doit sauver. Ouais, et Max, c'est moi. Désolé, Robin, faut que j'y aille. On m'attend, j'ai un rôle très important à jouer. Max, tu ne reverras jamais plus ta chère petite princesse. Maintenant, ça suffit. C'était quoi ça? Peu importe, je vais faire le tour pour les prendre par surprise. Ça y est, j'ai enfin trouvé comment éloigner tous ces sales cabots de mon jardin. Fini les aboiements. T'as vu, Caporal? Caporal? Je vois. Ne t'inquiète pas, Caporal, je vais arranger ça.
surtout prenez bien soin de lui. Il doit être prêt dans 2 heures exactement. Bien sûr, monsieur. J'y crois pas. Max, la star des chiens. Max? Il faut absolument que j'en parle sur mon blog. Et moi, je vais appeler toutes mes copines. Elles vont être vertes de jalousie. Max? Le vrai Max? Mon héros en chair, en os et en poil. Salut, mon pote. Tu tombes à pic. Julie est sympa, mais au secours, quel moulin à paroles. J'ai 2 heures à tuer avant la séance de mon film en avant-première. Tu me ferais visiter le quartier? Carrément. La voie est libre. Max, à l'aide! Des méchants m'ont capturé. Et ça, c'est très, très méchant. Surtout pour des méchants. Je comprends pas, il fait quoi, Bill? Ouais, moi, j'en ai marre de faire le clown devant une tortue. Je sais pas ce qu'il fabrique, mais faut qu'on reste sur nos gardes. Il est peut-être en train de nous tendre un piège. Ouais, le piège, c'est qu'il viendra pas. Les voilà, Bull et Pouf. Ils ont capturé la princesse Caroline et on doit aller la sauver. Des méchants? Yeah, des vrais méchants? Non, c'est mes amis, c'est juste un jeu. Ah, oh, super. Nous aussi, on va jouer un peu. Laisse-moi faire, jouer c'est mon boulot. Attention, il est là. Hein? Fort, Bill. Yeah! C'est fini pour toi, Max. Comment est-ce qu'il a fait ça? J'en sais rien, moi, mais il a gagné. Ta-da! Ne me dis pas que c'est... Max! C'est trop génial! Mais comment tu fais pour savoir qui est le vrai Bill et qui est le faux Max? Bah, Bill, c'est mon chien. Je le reconnaîtrai entre 1000. Allez, je vous invite à la maison. On va pouvoir faire du trampoline! Ouais! Cool! Les cascades, j'assure un Max! J'ai hâte de voir ça! Une chose est sûre, avec moi, il ne risque pas de s'ennuyer. Hein, c'est vrai ça, Max? Max? Oh non! Où est-ce qu'il est passé? Max! Max! Horreur! Il a disparu! Non! Et voilà! J'ai programmé Georges pour qu'il diffuse des ultrasons à une fréquence spéciale touchant uniquement les chiens. Terminé, mon caporal, on n'aura plus à subir les aboiements de ces sales cabots. Papa, c'est nous. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pouf. On va aller installer le trampoline. Oh, chouette maison. Et salut, Bill. Comment ça va? Et encore, t'as pas vu la chambre de Boule? Ouais, bon, je vais peut-être retourner me reposer encore un peu, moi. Max! Max! Il est où, le gentil toutou? Viens voir, Julie. J'ai des croquettes. Oh, il y a des dessins de moi partout. Non, ça c'est moi. T'en es sûr? C'était quoi ce bruit bizarre? Des ultrasons, spécialement réglés contre les chiens. C'est une arme utilisée par les agents secrets. T'en connais un?
Un agent secret? Madame Stick, elle c'est une méchante, une vraie de vraie. Ça ne fait aucun doute, les ultrasons viennent de ce nain de jardin. Il faut qu'on aille changer la fréquence et sauver l'univers. C'est ouf d'avoir un agent secret à la maison. Bah quoi? On va plus en mission secrète? Chat, j'ai peur des chats. Mais arrête, t'es un héros, t'es Max. Non, je ne suis pas un héros, je suis un acteur. D'ailleurs, je m'appelle Sam, pas Max. Et Sam, il a peur des chats. C'est le moment de prendre ta revanche. En chaque chien sommeille un héros. Je m'occupe de Caporal et toi, tu t'occupes de George. Oui, mais les ultrasons alors? Il faut qu'on bouche nos oreilles, mais avec quoi? Bah, avec nos oreilles. Je vais pas faire ça, moi. Je vais t'apprendre. Oh, quel bonheur de pouvoir être tranquille sans chien qui aboie. Ces enfants font encore plus de bruit que les chiens. Il doit bien y avoir une fréquence pour les en empêcher, eux aussi. Tu vas me le payer très cher. Excusez-moi, madame. Vous n'auriez pas vu un cocker roux dans les parages? Attendez, j'en ai vu deux là-bas. Deux? Mais... Oh! Il doit être avec Bill. Ça ne marche pas. Dans ma série, il suffit pourtant de le toucher pour gagner. Te voilà. Ça! Alerte! Oh, mais c'est pas vrai! J'en ai plus qu'assez de votre chien qui n'arrête pas d'aboyer! Wow! Tiens-toi prêt. Go! Et voilà, fini les ultrasons. Trop drôle, on dirait que maintenant il imite des aboiements de chiens. Vous entendez? C'est encore votre sale cabot qui... Hein? Mais si tu es là, alors qui est... Georges! Viens par là. Oh, maudite invention! Merci, mon ami. Grâce à toi, je n'ai plus peur des chats. Tous les deux, on a assuré un max, tu trouves pas? Hé, hey, c'est vous qui avez fait aboyer Georges? Trop fort! Oh, ça, c'est la routine, quoi. Quand Max est dans le coin, le monde est carrément plus fou. Max, tu étais où? On t'a cherché partout. On dirait que pour nous, c'est la fin du film. Un de ces jours, Bill. Waouh, merci Max. Georges, tu vas arrêter à la fin. Oh, fini les aboiements. Oh. Au revoir, Max. Thank you.
Cette année, je prends ma revanche. Oh, Boule, t'es bien matinale aujourd'hui. T'as pas oublié que c'était les vacances quand même. C'est surtout le jour du concours du chien qui a le plus de chiens. Celui que Bill a perdu l'an dernier? Oui, mais cette année, Bill va mettre la pâtée à Roquette, j'en suis sûre. Et tu es sûre que Bill veut participer? Oui, évidemment, il adore les concours. Je veux pas y aller. Allez, courage, tu vas pouvoir prendre ta revanche sur Roquette. L'année dernière, je m'étais fait shampouiner et parfumer. Pouah, non merci. Mais Boule alors? Hors de question d'y aller. J'ai une idée. Tu vas voir. Allez, debout, Bill, c'est le grand jour. Bill, est-ce que ça va? Papa, maman, Bill est malade, venez vite. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très en forme. Mais c'est aujourd'hui le concours. Boule, Bill est vraiment mou des oreilles ce matin. Bill, bon, on gagnera pas non plus cette fois. Oui, tant pis, on va plutôt l'emmener chez le vétérinaire. Ça a peut-être un petit peu trop bien marché. Ne t'inquiète pas, Boule, Bill est un peu fatigué, mais il n'a rien de grave. Une journée de repos lui fera du bien. Adieu le concours. Par contre, c'est vrai que son poil manque un peu d'éclat. Je crois qu'un petit régime de croquettes vertes spéciales brillantes s'impose. Oh non! Pas les croquettes vertes, elles ont un goût de salade et de vieux champignons. Donc, pas de concours cette année. Non, mais de toute façon, fatigué comme il est, il n'aurait pas pu profiter de la récompense. Un buffet de croquettes premium à volonté. Les croquettes rouges? Mes préférées! Bon appétit, Bill! Merde! Ces croquettes sont encore pires que dans mes souvenirs. Elles ont pas un goût de salade et de vieux champignons, elles ont carrément un goût de gazon et de morue moisie. C'est quand même mieux que le concours, non? En fait, non. Cette année, j'aurais pu gagner des croquettes rouges. Au lieu de ça, je suis obligé de faire ce régime stupide. Oui, ben, fallait pas mentir. Caporal, ces croquettes vertes sentent super bon. T'en veux? Caporal! Bill, il faut que tu les manges, ces croquettes. Tu vois, pas la peine de faire la comédie. Bonjour les amis, prêts pour le concours du chien qui a le plus de chiens? Cette année, nous vous avons préparé de toutes nouvelles épreuves. Hein? Hé, qu'est-ce qu'il fait, Bill? Oui, il devrait déjà être là. Mon ventre a trop envie de ce buffet de croquettes rouges à volonté. T'as qu'à dire à Boule que t'es pas malade, finalement. Faut que tu restes calme, Bill. Le vétérinaire a dit du repos. C'est pas grave pour le concours, Bill. Allez, viens. Tu vas plutôt manger quelques croquettes. C'est bien. Bravo, Bill. Allez, viens. Je vais te lire ma BD si tu veux. Hey, tu veux mes croquettes? Ok, je te les donne toutes si tu m'aides à aller au concours. Si je comprends bien, tu me demandes de faire équipe avec toi? Bon, allez, d'accord pour faire une trêve. Mais pas question de devenir ami, hein? Ah ça, non. Pour aller à ce concours, va falloir réussir à distraire Boule. Bill! Bill!
qu'est-ce que tu fabriques là, toi? Ben, on est copains. Montre-lui. D'accord. Vous pouvez jouer ensemble si vous voulez, mais je vous tiens à l'œil, hein. Bill doit se reposer aujourd'hui, alors pas de dispute. Et si tu te peignais en orange pour te faire passer pour moi? Pas crédible, j'ai pas des oreilles d'éléphant. Et si on faisait plutôt tomber plein de casseroles sur la tête de Boule pour l'endormir? Non mais ça va pas la tête. Ben quoi, sur moi ça fonctionne bien d'habitude. Je sais, on a besoin de George. Ouais. Mais pourquoi faire? Parce que comme ça, il m'en va. Fais dodo dans ta niche, je m'occupe de tout. Je suis tellement fatiguée. Repose-toi, je monte la garde. Bon, alors, voyons voir de quoi tu es capable, mon petit George. C'est parti. Mais fais pas de bruit, Caporal. Bill doit se reposer. Arrête, Caporal. Bienvenue, George. Ce chat est complètement zinzin. Mesdames et messieurs, voici la prochaine épreuve. Je veux participer au concours. Oh, c'est trop tard, Bill. Le concours a déjà commencé. L'an prochain, peut-être. Ou peut-être pas. Oh, les croquettes rouges. Bien, Bill, avec Pluche, on perd toutes les épreuves. Ouais, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah bon? J'ai raté quoi? Ben, d'abord, fallait aider une vieille dame à traverser la rue. Après, il fallait attraper un ballon en haut d'un poteau. Ah, au secours! Ah bah t'as gagné alors. Tu me donneras bien quelques croquettes. Allez, pour un vieux copain. Bah j'aimerais bien, mais... C'est Roquette qui remporte cette épreuve. Loulou et Roquette sont maintenant à égalité. Oh là là, je suis fichue. Il reste plus que l'épreuve de l'aboiement le plus mélodieux. Je supporterai pas de perdre deux années de suite. Je vais t'aider à gagner. Merci, Bill. T'es vraiment un copain. Ouais, et un vrai copain, ça a droit à la moitié des croquettes premium, tu crois pas? D'accord. Bull, j'ai quelque chose à te dire à propos de Bill. Ah bon? Bill! George? Caporal! Mais où est Bill? Bill! 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 Place à l'épreuve de l'aboiement le plus mélodieux. Quelqu'un saigne le bouton du volume. Bill, attention, Boule va arriver. Mais comme c'est pas ma faute, je veux quand même mes croquettes. Tu n'auras pas de croquettes vertes tant que j'aurai pas mes croquettes rouges. C'est compris? J'ai perdu. J'ai perdu. On va devoir faire équipe, Caporal. Roquette au pied. Que quelqu'un nous aide. Au secours.
Ça suffit! Loulou et Rocket, vous êtes éliminés! Le gagnant par défaut est donc... Mickey! Oh, merci les copains, j'y serais jamais arrivé sans vous. Je propose donc de partager toutes les croquettes rouges. C'est le meilleur discours que j'ai jamais entendu. Bill, écoute, on a quelque chose à te dire. Oh oh, c'est que ce matin j'ai fait une petite erreur avec tes croquettes. Au lieu de te donner des croquettes pour chien, il t'a donné des croquettes pour chat. On est vraiment désolé. Je crois que j'ai mal au ventre, pour de vrai. Tu vas vite retrouver l'appétit, j'en suis sûre. Et pour se faire pardonner, le vétérinaire t'offre un sac de croquettes premium. Hé, hey, mais Caporal, qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Oh, la ramène pas trop, espèce de mangeur de croquettes pour chat. C'est ça. Demain, c'est mon anniversaire et Boule me laisse même pas dormir dans sa chambre. Super, le copain. Bah et moi, je dors avec toi. Imagine s'il a oublié et que j'ai pas mon os d'anniversaire. On verra bien. Bonne nuit et évite de ronfler. Attends-nous! Tu sais même pas où on est censé aller! Au parc? Il est où mon cadeau? Ah ah! On est presque arrivé! Hein? Oh! Trop bien! Et voilà! C'est le point de départ de ta chasse à l'os d'anniversaire! Waouh! Boule est trop cool! Pour trouver l'os, tu dois suivre les flèches. Il y aura plein de surprises tout au long du chemin. On sera avec toi, mais interdiction de t'aider. Allez, Caro, dis-moi où est ma surprise. Pas de triche. T'es pas marrante. J'ai pas besoin d'aide de toute façon. Je suis sûre que ça va être trop facile. Tu verras bien. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On est déjà passé par là, j'en suis sûre. T'es perdu, Bill. Bah, il n'y a plus de flèches. Je suis trop fort. Y a des fourmis dans ton panier ou quoi? Ta fête d'anniversaire, c'est demain. J'aimerais bien dormir. Voilà. L'air de jeu. Cool. Saute là-dessus, vite. Bien joué, Bill. Tu sens pas quelque chose? Attends un peu. Je l'ai trouvé. Ok, très drôle. Fais pas la tête, c'est juste une blague. T'inquiète pas, tu vas l'avoir, ton
ramasse. Ah ouais? Bah j'en ai marre de tourner en rond pour rien, moi. Hein? Boule? Caro? C'est un vrai cauchemar. Ça devrait faire l'affaire. Oh, vite! Il faut que je me rendorme avant qu'il recommence. Allez-y, c'est ça! Abandonnez-moi! J'en ai rien à faire! Hmm? Mais ils sont passés où? Hmm? Il est là! Bip! Comment ça va? Yep! Yep, les copains! Je fais une chasse à l'os! Il faut que je suive les flèches! Chasse à l'os? Je peux jouer? Ouais! T'as pas besoin d'un peu d'aide, dis? D'accord. Super. Oh. Hé! Des casse surprises. Voyons voir ce qu'elle cache. J'aime pas les souris. Perdu. Ming, essaye la tienne pour voir si t'as plus de chance. Perdu aussi. Ça veut dire que c'est moi qui remporte le gros lot. De la salade. Caro. Regardez-moi ça. Oh, c'est pas fini. Vite, on va les suivre. Dépêche-toi, Ming. Cool. Attention, Bill. Ils sont partis où? Voilà, ça, c'est des vrais copains. Bonne chance pour la chasse, Bill. À plus tard. Salut, Bill. Salut, 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 salut. Au revoir, Bill. Salut, 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 salut. Merci, les amis. Hein? Hein? Ming? Pluche? Vous êtes où? Sans le réveiller. T'as une idée, Caro? J'en ai marre de cette chasse à l'os. Je rentre à la maison. Bill? Hein? Madame Stick? Courage, Bill. Je peux faire quelque chose pour toi. Suis-moi. Et voilà. Hein? Profite bien, Bill. Hein? Ça y est, je t'ai trouvé. Rocket, tu vas voir ce que tu vas voir. Waouh, ils rigolent pas, Bill. Je sais pas contre qui ils grognent, mais j'aimerais vraiment pas être à leur place. Bill, j'ai besoin de dormir pour rester belle, moi. J'aurai l'air d'avoir 100 ans demain matin. Oh, envolé. Wow. Salut, Bill. Merci, monsieur. Ça, ça fait plaisir. Tu sais quoi? J'ai une promotion.
Je travaille à la fourrière maintenant. Hein? Quoi? Et t'es mon tout premier client. Ah, tu vas enfin arrêter de courir après mon scooter comme ça. Laisse-le partir. Il est à moi. D'accord. Bon, bah, ok. J'ai une petite surprise pour toi. Tant que c'est pas de la salade, un os qui couine ou un os qui disparaît quand on veut le manger. Waouh. Bon appétit. C'est le paradis. Hein? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont où, mes os? Bonjour, Bill. Besoin d'une petite coupe? Regarde, c'est par là! Je comprends! Boule m'a préparé une fête d'anniversaire surprise! Cette chasse à l'os, c'était pour me faire sortir de la maison! Bon, il s'est calmé. On dirait une peluche quand il dort, il bouge plus du tout. Ouais, je parie que son rêve est devenu super ennuyeux. Oh. Me voilà! Quoi? Roquette! Tu veux tes légumes pour ton anniversaire? Hé! Hey, mais arrête! Non! Oh, non! Je suis où, là? Bonjour, Bill! Lâchez-moi! C'était seulement un rêve? Enfin, quoique... Pourquoi est-ce que tu jouais avec Roquette? Bonne nuit! T'es réveillé? Bonjour, Bill! Bon anniversaire! Elle a passé une sale nuit. Je sais pas de quoi tu as rêvé, toi, mais c'était super marrant à regarder. Bouge pas! Joyeux anniversaire, Bill! Et attendez, vous allez commencer sans moi? Tada! Oh là là, c'est ton cadeau! Un os à moelle, c'est ce que je préfère! Joyeux anniversaire, Bill! Quelle journée! Et dire que l'os était dans le frigo depuis le début! Joyeux anniversaire, Bill! Une mésange dodue pour s'ouvrir l'appétit. J'ai une tasse, c'est faim. Bill, alerte rouge. Allez, Bill, on y va. Heureusement, il m'a pas vu. Des sushis, j'adore ça. Des sushis, mon plat préféré. Comment ça s'ouvre ce truc? Bill, Bill, qu'est-ce que tu fais? Tu voudrais qu'on se partage les sushis? Non, Bill, ça serait du vol. Désolé. Allez, viens, Bill. On va rapporter cette boîte au livreur de sushi, d'accord? N'importe quoi. Non, mais je rêve, là.
Il est ouf. Allez, viens, Bill. Dépêche-toi. J'ai pas dit mon dernier mot. Salut Noisette, bah alors, tu cherches quelque chose? Oui, j'ai perdu mon collier préféré dans le parc. J'arrive pas à le retrouver. Ok, Bill et moi, on va t'aider à le chercher. Ah, merci Bull, c'est vraiment sympa. Allez, viens nous aider Bill. C'est ça, Bill. Laisse tomber les sushis et va chercher le joli collier. Bill et moi, on va chercher là-bas. D'accord. Moi, je vais continuer par ici. Oui, bonne idée. Ah? Non, Bill. Il faut surtout pas que tu craques, sinon Bull va être hyper déçu. Oh, c'est parfait. À moi les sushis. Mes sushis. Rends-moi mes sushis, sale voleur. C'est qui l'idiot maintenant? Non, mes sushis adorés, ils sont partis. Hé, hey, Bill! Yip! Yep! Il vient d'où ce collier? Je l'ai trouvé là-bas par terre. Génial! C'est sûrement le collier de Noisette! Elle va être super contente! Ça sent drôlement bon! C'est des sushis! Super, on partage? J'aimerais bien, mais Bull dit qu'on doit les rapporter au livreur qui les a perdus. Quoi? Mais c'est complètement ouf! Ouais, je sais bien, mais j'ai pas envie que Bull soit déçu. Écoute, on se partage les sushis et en échange, moi je te donne le collier. J'ai une meilleure idée. Si tu me donnes le collier maintenant, demain je t'apporterai mon plus bel os. Pff, tu rigoles ou quoi? Je préfère encore garder le collier. Bon, d'accord, on partage. Donne-moi le collier. J'aime mieux ça. Désolé, Plush. Oh, bah mince alors. J'ai pas été cool avec Plush, mais je peux pas faire ça à Boule. Oh, j'ai pas retrouvé. Moi non plus. Pourtant, j'ai regardé partout. Mon collier. Merci, Bill. Bravo, Bill. Tu as récupéré les sushis et en plus, tu n'y as même pas touché. Je suis fière de toi. Bill, rends-moi cette boîte. Bon,
il faut que je rentre. Encore merci. À plus, Noisette. Allez, Bill, on y va? Oh, mes sushis. Yip. Yep. Yep. Ben alors, t'en fais une tête, Pluche. Ouais, j'ai les nerfs. Bill a trouvé des sushis et il a pas voulu les partager avec moi. Oh non. Et si, Boule lui a interdit de les manger et Bill n'a pas voulu lui désobéir. Non, incroyable. Ouais, c'est triste. Bill a changé. Il est devenu un beau toutou à son même être. Quelle horreur. Stop! Pas de touche! Partage les sushis avec nous, Bill. Désolé, les amis, je peux pas. Nous oblige pas à venir chercher cette boîte. N'approchez pas. Les sushis avec nous, et ben tu redeviendras notre copain. Ouais, je suis prêt à oublier le coup tordu que tu m'as joué tout à l'heure. On partage et tout redeviendra comme avant. Ressaisis-toi, t'es un chien, pas un toutou à son même maître. Ouais, écoute Pluche, faut que tu obéisses à ta vraie nature. Redeviens toi-même. Oui, j'aimerais bien, mais je peux pas trahir Boule. Réfléchis, Bill. Tu crois vraiment que Boule va cesser de t'aimer à cause de 3 sushis? Oui, vous avez raison. Alors d'accord, régalons-nous. Ouais. Bravo, Bill. T'as récupéré la boîte de sushis. Et en plus, t'as rien mangé. T'es le meilleur chien du monde. Y en a pas beaucoup qui auraient résisté. Désolé, les copains. À plus, les gars. Viens, Bill. On a une mission à terminer. Comme c'est triste. Où est passé le Bill que nous connaissons? Merci bien, jeune homme. Bonne journée. Monsieur, monsieur! Vous avez perdu votre boîte de sushis. Oh, merci. Vous savez, Bill a été héroïque. Il l'a protégé contre des animaux affamés. C'est vrai? Eh oui, pas vrai, Bill? Eh bien, dans ce cas, tu l'as bien mérité. Tiens, cadeau. Regardez-le, ce prétentieux. Bill va peut-être devenir comme lui. Oh, parle pas de malheur. Hé, hey, les copains. Surprise. Ouais. On a retrouvé le vrai Bill.
j'adore mes sushis. Ça donne la pêche, ces croquettes, hein, Bill? Non. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Oh, j'ai dit à mon client que Bill est un chien exceptionnel et super bien éduqué. Résultat, il veut absolument venir le voir. Bah quoi, c'est vrai? Bill est le meilleur. Pas vrai, Bill? Ouais, c'est clair. Oh, non, 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 Bill, c'est pas comme ça qu'on se tient quand on est bien élevé. Oh, ça va, c'est bon, pas la peine d'aboyer comme ça, je sais me tenir si je veux. Oh, elles sont sales, mes oreilles. Bon, d'accord, on reste calme, je gère la situation. Bill, tu sais comment dire bonjour, au moins? Donne-moi la patte. Eh, ça va pas, la truffe. C'est pas marqué chien-chien à sa mémère, ici. Bon sang, c'est pourtant très facile. T'as juste à tendre la patte comme ça. Allez, fais comme moi. Bah voilà, c'est bon. T'as qu'à prendre la place de Bill, papa. Moi, il a pas intérêt à manger mes nonos. Hein? Oh non, c'est fichu. J'arriverai jamais à éduquer ce chien. Ça va être la honte totale devant mon client. J'ai une idée. On pourra appeler Julie. Quand elle vient garder Bill à la maison, il se tient toujours à carreau. Ouais, tu m'étonnes. Elle me donne toujours des supers à Samuel. Je compte sur vous, Julie. Bill vous adore. Si vous pouviez faire un miracle, ce serait génial. Hein? Salut, Julie. Oh. Comment ça va? La pêche, la frite, la patate? Et mon os, il est où? Il est où? Oh, oh Bill, oh, mais arrête. Oui, oui, moi aussi, je t'aime. Alors, c'est pour éduquer ce vilain cocker que vous m'avez appelé? Un vilain cocker? Il est où que je lui croque les fesses? On va commencer par dire bonjour. Bill, donne-moi la patte. Dire bonjour? Non, trop fastoche. J'ai mieux, moi. Regarde-moi ça. Je suis désolée, monsieur, mais Bill est vraiment trop génial comme ça. Il ne faut surtout pas qu'il change. Ah, enfin quelqu'un qui me comprend. Oh, mais c'est pas vrai. Je vais plus jamais être crédible auprès de mon client, moi. Ah, ça, avec un chien pareil, c'est bien normal. Oh, Bill, talent. Oh, vous devriez avoir honte d'avoir un chien aussi mal poli. Si ça peut vous dépanner, vous savez, je me ferai un plaisir de m'occuper de son éducation. Tout ce qu'il lui faut, c'est un peu de poigne et une dose de bonne manière. Je vous en supplie, pas la sorcière. Non, c'est inutile, Madame Stig, je crois qu'il est irrécupérable. Mais non, au contraire, j'adore les têtes dures. C'est comme ça que j'ai éduqué le caporal. Regardez comme il est mignon maintenant. Je sais pas trop. Ok, ça suffit. Puisque tu ne sais pas te tenir, tu vas suivre un stage de bonne manière chez Madame Stick. Et puis c'est tout. Excellente décision.
décision. Je crois que tout le quartier va me remercier. Je l'attends chez moi. Bill, pour la dernière fois, sors de cette niche, s'il te plaît. Bill, si tu acceptes de sortir de la niche, je te promets le plus gros os à moelle du monde. Ok, avec de la sauce. Bon, plus une part de foie de veau, mais c'est mon dernier prix. Je vais t'accompagner, Bill, allez, viens, c'est juste un petit cours. D'accord. Je veux bien que votre fils vienne avec nous. Ça ne lui fera pas de mal. Vous, vous rentrez chez vous, par contre. Ce n'est pas un cours de bonne manière pour tout le quartier. Oui, d'accord, Madame Strict. Madame Stick. Bull, Bill, vous écoutez bien la maîtresse. Un ou deux, jeune canidé. Leçon numéro un du guide des bonnes manières, la politesse. Bonjour, Madame Stick. À ton tour, Bill. On s'essuie bien les pattes sur le paillasson avant d'entrer et on dit bonjour. Je vais vous montrer, moi, comment on dit bonjour chez les chiens. Pas les pattes, malotru. Caporal, tiens-toi bien, tu dois donner l'exemple. Et toi, Bill, donne la patte, allez. Fais ce qu'elle te dit, pense à ton os à moelle. Très bien, Bill. On va aller au salon pour la leçon numéro 2. Le maintien. La tête droite, je te prie. Les épaules droites, le dos rectiligne, les pattes bien à plat, et on ne laisse pas traîner les oreilles. Fais pas ci, fais pas ça, ça suffit, oui. Oh, allez, Bill, si tu suis ces conseils, t'auras la grande classe. On t'appellera le duc de Bill. Ça vaut aussi pour vous, jeune homme. Bon, voyons la position à quatre pattes. Oh. Les oreilles hautes, le dos droit, les pattes bien parallèles. C'est très bien. Vous voyez, on peut en faire quelque chose avec un peu d'autorité. Allez, on reprend. Alors, est-ce que tout va bien, Madame Stick? Vous croyez que c'est bien élevé, ça? D'entrer chez les gens sans prendre la peine de prévenir? Passons à la leçon numéro 3. La bonne tenue en société. Nous allons simuler un goûter avec un invité. Tu vas craquer avant la fin de ton petit stage de bonne manière, c'est sûr et certain, grosse truffe. Eh ben, c'est ce qu'on va voir, croqueur d'arête. Très bien. Maintenant, montre-moi comment tu me recevrais à goûter si j'étais le client de ton maître. Ah oui, des biscuits, j'adore ça. Faute! On sert d'abord l'invité et on se sert en dernier. Parfait, goûtons maintenant. Et avec distinction. Ah, il sait même pas se tenir. Dégoûtant. Tu vas voir ce que tu vas voir, sac à puce. Oh non, elle a avalé son sifflet. Ça va, Madame Fille? Ce chien est irrécupérable. Je ne veux plus le voir chez moi. Allez, oust! Avec plaisir, espèce de vieille sorcière. Heureusement que toi, au moins, tu es bien élevé, mon caporal Ounet. Et si on passait à la leçon 4, tous les deux? Oh non! Bill, tu es prêt? Mon client va bientôt arriver. Bill! Bill, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Non, pas vraiment. C'est cuit pour mon os à moelle. Tu sais, Bill, c'est pas très grave si t'es pas super bien éduqué.
Moi, en tout cas, je t'aime comme tu es. Super gentil, hyper sympa, et tu me fais tout le temps rigoler. T'inquiète, t'es un champion. Allez, viens, je suis sûre que tu vas faire bonne impression. Ouais, ils vont voir ce que je sais faire, nom d'un os. Alors, Bill, t'assures, hein? Tu ne lui sautes pas dessus, d'accord? Et toi, Boule, tu te tiens bien aussi, hein, s'il te plaît. Oh! Alors, comme ça, c'est lui la huitième merveille du monde, hein? C'est vrai qu'il a l'air au poil. Oh! Entrez, je vous en prie. Oh! Désolé, monsieur. Il dit qu'il faut vous essuyer les pieds, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr. C'est vrai qu'il est super bien éduqué, votre chien. Oui, vous savez, la bonne éducation, chez moi, c'est un principe sacré. Je l'ai... Mais il est quand même un peu sage, non? D'habitude, les cockers ont bien plus de personnalité. Hein? Moi? Pas de personnalité? Vous allez voir, monsieur le client. Toutes mes félicitations, Bill est vraiment un chien formidable. T'es comme ça, j'en avais jamais vu. D'ailleurs, je vous l'achète, votre prix sera le mien. Non, oh, mais non, c'est une blague. Ne vous inquiétez pas, je ne voudrais pas le séparer de ses maîtres. Et un os à moelle avec ta sauce préférée. Tu l'as bien mérité, mon Bill. Hein? Oh.